Bon, alors c'est Ben et Sav en direct de Nancy, barré par les policiers comme d'habitude. On va pas tarder à se faire flasher la gueule et gazer. Alors qu'on ne fait rien mal, c'est pacifiste et tout le monde reste tranquille. Vive la démocratie! Ben, secouriste, c'est mon métier déjà à la base. Je travaille à l'hôpital à Verdun. J'ai fait au moins 7 actes en tant que manifestant. Et vu les dégâts maintenant, il faut du monde sur place pour soigner, donc en espérant qu'on ait moins de boulot qu'à Bar-le-Duc la semaine dernière. En 20 minutes, j'ai fait 4 interventions les 20 premières minutes de manifestation. Aux informations locales et régionales, ils ont dit 2 blessés, alors que bon, il y en a eu beaucoup plus. On était 7 médics, j'ai fait 7 interventions, dont un papy qui a pris une grenade avec qui s'est fait ouvert la jambe. On a eu des tirs de flashball dans la tête, on a eu un tir de flashball dans l'aine. Le monsieur est parti par les pompiers, un monsieur âgé, dans un sale état. Avant, avec le gros Toumou, c'était pas mieux, puisqu'il nous avait déjà ponctionné pas mal. La CSG, on nous la prend en premier, on ne nous doit pas demander notre avis. Ça veut dire que, en gros, ça nous fait presque un caddie de commission de moins par mois, moi et ma femme. D'accord. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas rester pendant 2 heures là. Vous allez voir, 3 sommations, puis après, tout le monde va se faire gazer. Donc là, ça se transforme en chambre à gaz, comme d'habitude. Moi, j'y suis allé à Metz, à Épinal. À chaque fois, on se fait gazer, les gens font rien, ils manifestent. Donc voilà, si on n'a pas la liberté de s'exprimer en France, eh ben, voilà, qu'est-ce qu'on dit ? On ne peut plus rien dire. Moi, je me lève tous les matins pour aller bosser. J'ai des parents à la retraite. Ils se font décoter leur retraite. On ne peut rien faire. On ne peut rien dire. Vous avez la sensation qu'on n'est pas représenté politiquement ? Ah non, non. Moi, j'ai regardé. J'avais la chance d'être, ou la malchance, je ne sais pas, d'être hors pot le jour du débat de M. Macron. Je suis désolé. Tout ce qu'il dit, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le mouvement. Ils s'en foutent des gens, quoi. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait changer les choses, en fait ? Moi, je pense que le RIC est pas mal, je me suis un peu informé là-dessus. Je trouve que c'est bien de faire parler, de pouvoir que les gens puissent s'exprimer, pas qu'une fois tous les 5 ans, ou alors même les référendums, ça n'existe plus, donc au moins on pourrait s'exprimer, quoi. Moi, je pense qu'il faut une augmentation des salaires pour tout le monde, parce qu'il y a trop d'inégalités en France et ça va plus, quoi. Il y a des gens qui, excusez-moi, qui se gavent, et puis d'autres eh ben, qui galèrent tous les matins avec des enfants ou pas d'enfants, ou même célibataires. Il faut que les gens soient payés à juste valeur, voilà. Ah, et puis qu'on cherchait la merde, du coup il y a de la merde partout. Les gens demandent juste qu'on les laisse vivre au final, qu'on arrête de les pomper de tout ce qu'ils ont. On voit que si on ne raque pas, on se fait dégommer. C'est simple et c'est tellement méprisant de la part des gens qui nous gouvernent. Tout le monde s'est littéralement fait gazer, sans raison. Donc les flics attaquent. Je veux dire, c'est pas du défensif. Il n'y avait rien qui s'est passé. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde si en Russie il se passait la même chose, si Poutine faisait la même chose aux Russes, la communauté internationale jetterait les hauts cris, ce serait la tyrannie, ce serait la dictature. La France est clairement plus souveraine, elle est soumise au dictat de l'Union européenne. Macron est un oligarque et il gouverne comme un oligarque. Ces gens se foutent de nous. L'Europe, l'Union européenne se fout de nous. Et pour que le peuple revienne un peu au pouvoir, il faudrait déjà qu'on sorte, qu'on ait un Frexit, je pense. Et puis que Macron dégage, évidemment. Hein, mais ça, il n'a pas l'air de vouloir. Mais tout le monde veut que Macron dégage. Donc toute sa caste de banquiers, d'oligarques, c'est ces gens qui nous haïssent et qui se servent de nous. Et puis Eric, quoi. Je pense qu'il faudrait s'organiser pour faire juste un boycott financier, déjà s'occuper de retirer son argent des banques. Le rapport de force est complètement disproportionné. De toute façon, ils ont de quoi nous n***er la gueule. Nos impôts payent pour les flashballs qu'ils lancent dans la tête de nos gosses. Les banques. Un bank run, quoi. Ouais, un bank run. Le fait qu'il faut encore faire une paire de milliards d'euros d'économies sur l'année 2019, je confirme que dans les services de soins, c'est la galère. Les personnels ne sont jamais remplacés, les gens qui partent en retraite ne sont pas remplacés. C'est une infirmière pour 20 patients. De toute façon, l'hôpital, à partir de maintenant, c'est plus qu'une pompe à fric, comme tout le reste.